Lorsqu'elle avait 16 ans, Anna voulait avoir accès à Internet chez elle, dans un village isolé de l'extrême-orient russe. Nous étions en 2003, et elle ne voulait pas être exclue de ce nouveau phénomène. Son père et sa mère ont accepté de conduire Anna au magasin pour acheter un modem un matin de sabbat. Anna, cependant, avait été baptisée environ un an plus tôt après avoir appris l'existence de Jésus par sa grand-mère. Elle savait que c'était mal d'aller faire des courses le jour du sabbat, mais elle voulait tellement Internet. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir quitté la maison et d'être montée dans la voiture. Sa grand-mère lui a raconté plus tard ce qui s'était passé. Le père a dépassé la limite de vitesse car il s'est dirigé vers le magasin sur une route d'hiver glissante. Soudain, la voiture a glissé dans la haie et a été heurtée de plein fouet par un camion. Le père et la mère sont morts de leurs blessures, et le chauffeur du camion s'est cassé la jambe. Anna a été hospitalisée à un coma, et le médecin a prédit qu'elle ne survivrait pas. La grand-mère a jeûné, a prié et a demandé à d'autres membres de l'église de la rejoindre. À la surprise du médecin, Anna est sortie du coma en 3 jours et s'est rapidement rétablie. En 2 mois, elle est retournée à l'école et a terminé sa 10e année avec le reste de sa classe. La grand-mère s'est installée chez Anna, lui apportant un soutien physique et spirituel, mais Anna a sombré dans la tristesse. Elle se sentait extrêmement coupable de la mort de ses parents. Elle n'a pas blâmé Dieu. Elle savait qu'il ne cause pas la mort. Mais elle savait aussi qu'il était mal d'aller faire des courses le jour du sabbat. Elle aurait aimé avoir dit à ses parents de rester à la maison. Ils auraient pu attendre la fin du sabbat pour se connecter à Internet. Elle s'est rendue responsable de leur mort. Cette sombre culpabilité a suivi Anna lorsqu'elle a déménagé dans la ville portuaire de Vladivostok pour entrer à l'université. Elle fréquente la seule église adventiste de la ville, mais elle n'y va pas tous les sabbats. Elle y allait juste assez souvent pour rendre grand-mère heureuse. Elle savait qu'elle ne menait pas une vie pieuse, et sa culpabilité s'est aggravée. À l'université, Anna a rencontré un professeur adventiste qui l'a aidé à faire ses devoirs. Le professeur a également prié pour elle et a demandé à l'église de prier pour elle. Anna s'est souvenue de son propre baptême et a prié pour le pardon. Anna a commencé à parler à Dieu régulièrement. Elle a lu une copie de l'ouvrage d'Ellen White, La tragédie des siècles que la grand-mère lui avait donné quelque temps auparavant. Elle a vu les difficultés que Martin Luther et d'autres réformateurs avaient connues, et elle a réalisé que Dieu pardonne même aux pires des pécheurs. Elle a abandonné ses mauvaises habitudes. Aujourd'hui, Anna a 32 ans et travaille comme professeure d'université. Elle est aussi une pionnière et occupe le poste de secrétaire de l'église. Elle ne sait pas pourquoi l'accident s'est produit, mais elle ne s'en inquiète plus. Anna est reconnaissante pour les prières de sa grand-mère, qui a 80 ans, et des autres membres de l'église. Elle dit qu'elles ont contribué à changer sa vie. « Je comprends que beaucoup de mes problèmes ont été résolus parce que l'église a prié pour moi », dit-elle. « Rien ne vaut la vie sans Dieu ».